Voilà, aujourd'hui, je vous présente Mademoiselle la pieuvre. Elle se fait avec de la laine et de la patience. Voilà. Alors, il vous faut un carton hauteur 22 cm. Vous maintenez et maintenant vous tournez. Vous enroulez sans trop serrer. Autrement, votre carton va se plier et il va falloir une bonne longueur de laine pour avoir une quantité suffisante. Donc voilà, j'ai tourné, tourné, tourné et je suis arrivée à ce résultat-là. Je vais prendre ma laine. Ça nous fait un écheveau. Je retire mon carton. Et là, peut-être qu'il vous faudra un petit peu d'aide avec quelqu'un. Voilà, je maintiens, je prends un fil, un autre fil de laine que j'avais préparé à l'avance. Et là, je vais serrer. Si vous avez un grand frère, une grande sœur pour vous aider, eh bien, profitez-en. Voilà. Et je vais faire un nœud. Voilà. Double nœud. Autrement, ça va se sauver. Voilà. Je coupe l'excès de fil. Hop. Là, ça va être pour le haut de la tête. Les cheveux. Enfin, j'ai dit les cheveux. Si une pieuvre avait des cheveux, ben non. Ensuite, je prends un autre bout de laine. Et là, ça va être pour la préparation de la tête. Regardez. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Alors, il faut serrer, hein. Il faut que ça se tienne. Voici. Voilà. Je coupe également l'excès de laine. Voilà. Et maintenant, vous allez être prêt à lui faire une petite coupe de cheveux. Alors, on peut s'y reprendre à plusieurs fois, hein. Ça ne gêne pas, vous voyez. Voilà. Il faut retirer toutes les boucles. Voilà, c'est retiré. Voilà. Et maintenant, eh bien, il va falloir faire pareil pour le bas, pour réaliser les nattes. Voilà. Alors, je lui prends ainsi. J'espère que vous voyez bien. C'est un petit peu difficile à couper. Donc, si vous êtes trop petit, eh bien, effectivement, il faudra vous faire aider. Et voilà, elle est prête au tressage. Je vais déjà me préparer un autre petit bout de laine. Je vais en avoir besoin pour la fin. Alors, je fais ma natte. Hop. Là, il va falloir être patient parce que des nattes, vous allez en faire plusieurs. Je crois que celle, la blanche, d'en avoir 12. Peut-être un petit peu plus d'ailleurs, je sais plus. Voilà, je fais ma natte. Je fais ma natte. Voilà. Hop. Vous voyez, il faut avoir de la longueur de laine. C'est pour ça que je vous ai conseillé un carton d'environ 22 cm pour pouvoir obtenir cette natte suffisamment longue. Voilà, hop, je ne veux pas aller plus loin. Je prends un autre petit bout de laine et je le tourne deux, trois fois autour de cette finition. Voilà, et une fois de plus, deux nœuds. Voilà, j'ai trop de laine là, c'est pas joli. Au-dessus de mes doigts, je coupe l'excédent. Et voici la première natte de fait. On va laisser en attente les autres hein, parce qu'autrement le film va être trop long. Sur un petit papier, vous allez j'ai colorié en rose pour faire une bouche et en bleu pour faire les yeux. Avec une perforatrice, je perfore deux ronds. Un pour la bouche et je vais coller. Voilà, c'est prêt d'avance.
je vais coller les yeux si j'y arrive. Voilà, alors j'aurais dû. Hop, j'en ai trop sur ceci. Un œil, le deuxième. Si vous préférez coudre, ben vous pouvez le coudre, parce que moi sur la petite pieuvre blanche, c'est ce que j'ai fait. J'avais une aiguille. Voilà. Alors ceci n'est pas tout à fait terminé, bien sûr. Je finirai plus tard. Si vous trouvez que la laine est trop grande, eh bien écoutez, vous coupez. Exercez-vous au talon de coiffeur. Voilà, regardez. Ah, ça colle au doigt. Voilà. Vous pouvez lui rajouter un petit collier de perles si vous voulez. À votre fantaisie, changez les petits fils de laine en extrémité des nattes pour obtenir ceci. Pardon. Voilà. Bon courage.